Je connais mon jour au chef pas en jouet. Au chef pas en jouet. Lorsque vous êtes investi d'une autorité, vous faites appliquer la loi. Si vous n'avez pas faire, si vous avez passé devant, les combats d'exaction, pas qu'à réagir, vous n'êtes pas chef. La notion de chef en Haïti, vous l'avez dit, il y a toute signification, autorité, application, non-abus de la loi. Et ça vient, c'est qu'un cadre va changer. Donc, moi j'ai eu l'opportunité pour prêter la police dans un moment difficile, même j'ai un moment difficile 2004-2005, défier, c'est remonter. Défier pas même bataille contre bandit, parce qu'automatiquement bandit, on est qui bandit, vous choisissez vivre 4 ou 5 ans, tout le monde. Je sais que je vais vivre longtemps, je sais que j'ai grand son nez, Ravix, je sais que je parle encore. Les qui là au coup n'y a qu'à faire de tête végétarien, tu fais me faire mal pour les parents, pour madame, parce que tu ne vas pas vivre longtemps. Et pas moi-même que tu vas l'éliminer, tu vas l'éliminer propre, parce que la société va nous jeter là. Bien que difficile. Février 2021, tu as eu un gros mouvement levé campé dans la prison civile Croix de Boucaire. Après diverses rencontres entre plusieurs entités dans le gouvernement, tant que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, au commandement de la police, le bureau secrétaire d'État de communication, à Clot, même bilan, gouvernement en mesure de présenter la population avec la presse coulière. Avant l'incident AIEA, il y a 1542 prisonniers dans la prison Croix de Boucaire. Des comptes qui fait matin vendredi a fait nous constater qu'il y a 1125 prisonniers qui sont dans ces lieux. Il y a 25 personnes qui mourent, là-dedans il y a 6 prisonniers avec l'inspecteur divisionnaire Paul Hector Joseph qui était responsable de la prison. Parmi les prisonniers qui tombent, il y a Arnel Joseph qui était attaqué, yon patrouille la police, qui était campé moto, qui était sous l'IA. La police riposte, et puis Arnel Joseph tombé. Divers services techniques, la police confirmé, c'est Arnel Joseph qui tombé, jeudi. Mais c'est d'ab dirigé gang village de Dieu, en Val Talmonte Basli, dans sa vient la Tibonite. La police, qui était toujours mobilisée, rive reprendre tout, 60 prisonniers qui t'ont tenté de sauver. Il y a plus passé 200 lots, la police avec la justice a cherché tout partout dans le pays. La police arrivait et récupérait tout, deux fusils 12 avec 5 revolvers calibre 9 mm, sans compter diverses bonbons de gaz qui étaient gagnés dans la cour prison. On a précisé, parmi les gens qui mouraient, gagné ces 7 citoyens prisonniers ont été attaqués sous route pendant qu'ils ont sauvé. La justice a continué de travailler dans le moment où on a parlé là pour identifier toutes victimes. Après l'incident, dans la prison civile Croix de Boucaire, l'autorité a formé 3 commissions. La première commission, c'est l'inspection générale qui a fait enquête administrative pour fixer responsabilité interne. Deuxième commission, c'est la commission Direction Centrale Police Judiciaire, DCPJ, pour déterminer qui est-ce qui méritait al devant la justice. Troisième commission, c'est la commission Direction Administration Pénitentiaire, qui prend pour enquêter sur cause mouvement ça avec les gens qui impliquent là-dedans. Tout le gouvernement, avec la police qui mobilisait, mandé la population à rester tête frette, continuer à collaborer avec force l'audio, pour y couper tout bandit qui pensait au cas si médaille dans la population. Nous disons tout merci, nous prenons 3 ou 4 questions. Première question. Vous avez une tête satisfait pour personne qui mourit. Citoyen qui tombé, malheureusement pour lui, c'est attaqué la police riposté, li tombé. Ni la police, ni le gouvernement a toujours souhaité, c'est la justice qui arrive à juger tout le monde qui est impliqué dans n'importe qui mauvais acte. Et puis décider sous soi. Si pour vous laguer, pour vous laguer, si pour vous condamner, pour vous condamner. Seul ça a précisé, la police et tout le gouvernement continuer à faire travailler pour sécuriser la population. Mission 2000. Monsieur le Président, service technique, la police,
Pablier, moi, j'ai avec là, directeur de APA, qui sont les gens qui sont habitués avec Arnel Joseph, parce que c'est les responsables, les habitués. Il est habitué où elle est en prison. Il y a des signes qui montrent à clair que c'est bien Arnel Joseph qui est tombé. Gagné enquête qu'on dit le cap mené sous sa privée. Détails pour vous disponibles. Mais ça n'a dit objectif là, c'était tenter vider prison. Mais vigilance la police permet que ça pas arrive fait, c'est bloc Arnel Joseph là qui te gagné et plus l'opère là dedans. Donc la police est arrivée pour contrôler la situation rapidement. Le juge il a déterminé à qui est-ce qui te gagné lien, à qui est-ce qui pas gagné lien. Donc la police avec la justice a continué travail dans ce sens là. Merci en pile pour vos patience. Journalistes yo, yo marginalisé dans la ria. Qui gens yo banalisé yo. Qui j'en yon pas essayé comprendre sans journaliste? Pas gain information. Information, quel que soit ses couches sociales ou bien secteur que ou même pour appartient, ou besoin journaliste pour capable faire travail. Dans tout pays du monde, c'est pas seulement Haïti, mais nous, Haïti, yon pas comprendre et yon pas bay importance avec journaliste qui c'est quatrième pouvoir dans le pays. Trois pouvoirs que vous puissiez parler, mais journaliste, il représente un pouvoir en dans le pays. Parce que sans journaliste, le pays n'a pas informé. Sans journaliste, la société en général, au niveau national, n'a pas informé. Sans journaliste, il n'y a aucune information qui est capable de arriver l'autre bord. Et ça qui fait, malgré les pile mauvais paroles qui parlent contre nous, mais nous souhaitons nous-mêmes dans nos cas là un pile courage que nous-mêmes nous traverser la rue ça à cause d'un pile gros difficultés qui gagne soit dans la famille ou bien soit dans l'organisation soit dans le niveau pas nous que nous quitter tout problème mais nous pas peur prendre la rue pour nous être capable de là pour aider nous capable ramasser information ça qui vous permet de nous informer la population. Alors nous disons merci pour ça en pile, nous avons passé avec camarades Préville, lui-même l'a capable d'ajouter du plus. Sous ça, nous-mêmes, nous venons nous faire matin. Un moment. Dans les places. Changez de place. Changez de place. Oui, c'est bon. Comment tu restes? Même la parole est déjà là. L'autre marchandise. Oui. Autre marchandise. Oui. On a fait un petit coup de présentation pour CAS, coalition des acteurs de la société civile CAS, les composés de différents secteurs. Et nous, c'est multisectoriel qui a fonctionné en plateforme, il est composé de syndicats, il est composé de paysans, il est composé de secteur femmes, composé de socio-communautaires, composé de, des organisations des droits humains, il est composé des organisations au niveau des affaires, et etc. Alors, CASLA a une vision li partage. Et vision li, c'est permettre pour nous gagner en Haïti prospère, souveraine, qui fondée sous des valeurs démocratiques, civiques et patriotiques. Trop moun jodi a ande dans pays a pa gen le sens. Du civisme par le sens patriotique. Donc nous croyons dans vision ça. Mission CASLA, c'est nous bailler nous mission d'abord pour nous défendre pays. Pays sont bien commun que lié. Pays sont bien collectif que lié. Un seul monde pas capable prendre pays pour contre lui
pour faire sale pito, pour faire sale vrai, comme quoi tout le monde pas existé pour yo. Donc bien collectif ça, nous constituer tête nous en vigile pour nous défendre intérêt société a. Et intérêt société a, d'abord ça n'a vivio là, tout ça nous qu'on est à vivre là qui pas normal pour nous tap vivio. Et bien casse lui-même regrouper en plateforme pour permettre que nous avancer ensemble, pour nous dégager l'idée ensemble, pour nous joindre une solution ensemble. Nous avons bu casse là, c'est pour nous capables d'œuvrer par tête nous en conciliation intérêts économiques, politiques et sociaux, acteurs organisés, citoyens, pour nous capables de participer normalement, activement, dans le cadre modernisation pays, modernisation l'État. Je dis à toute institution en Lambeau, toute institution publique yo crasé, et que nous prenons pouvoir judiciaire, ça c'est bagay terrible, bagay que nous pas jamais imaginé. Mais comment yo lagué institution et pouvoir judiciaire crasé? Donc ça nous-mêmes nous gain intérêt pour nous capables organiser acteurs pour nous rejoindre, pour nous faire un seul, pour nous river moderniser l'État. Et au niveau objectif, nous capables de dire objectif là, les résumer dans le cadre normalement pour nous regrouper acteurs, citoyens, dans le cadre vision nous, pour nous gagnons Haïti qui juste. On a parlé Haïti juste côté pas gain injustice, côté criminalité doué kaba, côté justice sociale là doué triompher, et pour permettre que valeur démocratique yo capable vraiment respecter. Et nous parler de civique et patriotique. Merci. Et nous passons dans la troisième phase pour nous entrer réellement de la participation de la CAS au niveau de la marche et que le secteur protestant vient pour organiser. C'est camarade Samuel Bernard Capien pour intervenir. Merci. Nous mettons des lames, Société civile, côté plus que 55 associations et regroupements d'associations qui sont dans plusieurs secteurs, te réunis et travaillent en atelier, côté nous te travaillent sous positionnement société civile là et travaillent sur une déclaration commune. Et dans la perspective ça, nous mettons campé un comité de suivi qui est 7 personnes là donné. Et 7 personnes ça y a un représentant CAS qui l'a donné, donc et monsieur Edouard Poltre et 6 autres membres du comité de suivi et qui sorti dans des autres associations, par exemple James Beltis, etc. Tu as gagné 2 journées de grève que l'organisation syndicale a été lancée 1er à 2 février 2021. Parmi l'organisation syndicale, il y a un paquet là-dedans, on va dire, puis il faut l'année aussi de même casse. Nous avons non seulement appuyé la journée de grève, mais nous avons encouragé l'organisation qui fait partie de nous et l'autre citoyen pour observer 2 journées de grève. Et nous avons fait renouveler même action ça
dans le cadre marche pacifique que le secteur droit monde a été lancé 14 février qui s'est passé pour renouveler l'amour nous gagner, attachement nous gagner à la démocratie, à la valeur et pour nous gommer contre la dictature dans le pays. Et c'est dans la même perspective ça que CAS jugé nécessaire pour lui lancer un appui public par le secteur protestant qui lançait une journée de marche pacifique jusqu'à dimanche 28 février 2021 qui a venu là. Nous disons, nous appuyons la marche publiquement et nous lançons un appel à tout membre Cassio, organisation et secteur qui membre Cassio. Ça qui peut être membre Cassio, tout citoyen dans le pays, nous disons, déplacer à manifester en faveur de la démocratie, contre dictature, contre kidnapping, qui tourne yon nan business qui a bien marché, si ce n'est pas business qui a bien marché dans le pays. Donc, nous encourager tout citoyen, nous encourager tout groupe pour appuyer l'initiative ça. Sorti, choisir quand démocratie. Parce que je dis, depuis longtemps, il y a deux camps dans le pays, il y a des camps qui voulait établir dictature et quand moun k'ap défend démocratie à principe li yo. Yon nan principe yo, c'est liberté la parole, c'est liberté pour la presse faire travail li sans pression, sans et comme ça doit. Donc dans sens ça, nous encourager tout citoyen, toute citoyenne, tout moun quel que soit côté rejoindre deux nan deux points et de rassemblement yo qui se place constitution sous champ de masse ou bien Carrefour résistance nan Carrefour aéroport moun place constitution yo pral rencontrer à moun Carrefour résistance yo pour nous foncer pour nous mettre yon marée humaine dehors pour moun qui continue à minimiser force nou yo. Moun, nous connaissons qui compte compter, mais qui fait comme si on ne pas compter. Pour yo voir que citoyens et citoyennes haïtiens renouvelent le bayo, choix yo fait pour yo te vomi de dictature, pour yo pare manger dictature encore. Nous vomi dictature, nous pas manger encore. Nous voulons rester dans la démocratie. Nous croyons que démocratie c'est plus bon système pour diriger une nation. Nous pas croyons dans un pouvoir autoritaire. Nous pas croyons que un monde ou bien un groupe monde qui pas un mandat constitutionnel ni légal d'après 134-2, 134-3 et constitution 87 amendée et 239 et décret électoral de mars 2015 là moun sa yo constitution et la loi du mandat yo fini pour moun sa yo yo érigé tête yo en maître seigneur en après Dieu pour faire ça yo vle pour décider gens yo vle. C'est yo même qui la justice, c'est yo même qui la police, c'est yo même qui fait la loi, c'est yo même qui exécutif. Nous dit non, nous pas vle système ça, nous pas vle régime ça, nous vle démocratie. C'est peut-être ça nous dit tout citoyen, toute citoyenne, tout membre casse, toute organisation qui peut membre casse, tout secteur dans le pays a porté collé dans manifestation dimanche 28 février que secteur protestant lancé. Merci n'a pas de question. Merci. Bon.